Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité, peut-être la toute dernière opportunité, de m'exprimer pour ma propre défense. Comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici, chanter la gloire du Tout-Puissant Allah, chanter sa louange et dire qu'il n'y a de divinité que lui seul et qu'il s'appelle Allah et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul. En disant en ces termes, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Monsieur le Président, permettez-moi de dire ça que l'être humain, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir effacer le destin de son prochain. Or, tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais. Ma Abubakar Diakité Toumba, j'ai raison de chanter la gloire de Dieu, ses louanges, ses mérites, d'avoir permis pour une première fois que notre pays puisse connaître la sincérité, la vérité dans l'histoire. En tout cas, qu'il a vécu à un moment donné. Donc je remercie Dieu et c'est en lui que je mets toute ma confiance pour qu'il tranche entre moi et ceux qui ont été la cause de ma présence ici. J'ai dit pour ça, qul huwa rahman amanna bihi wa ilayhi tawakkalna fa sata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. C'est à lui que je mets ma confiance. Et tout ce qui arrive à l'être humain est voulu pour son bien. Je ne fais que suivre mon destin. Je ne considère personne ici comme un ennemi. Ça, c'était déjà préétabli dans l'organigramme divin que tout ça là allait arriver. Je ne vais pas dire ce qui n'a pas été dit durant toutes ces périodes. C'est seulement continuer à prier également pour l'âme des personnes disparues. Que Dieu, déjà, ça a été dit ici que, puisque les circonstances de leur mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis, donc je ne demanderai, implorerai Dieu seulement que de les accueillir dans son Firdaus, l'état, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis. Et cette prière, j'élargis à toutes les victimes de toutes les manifestations politiques qu'a connu notre pays, jusqu'aux victimes de Kambwalo. Je voudrais que ce procès puisse servir pour l'armée, puisque la plupart
des événements que notre pays a connus, c'est entre l'incompréhension, manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays, et également le peuple qu'elles sont censées de protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que la population civile, de la part de son armée, ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. Même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons, puisque tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple. Ce qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître, que ce procès, on a beaucoup appris. Ici, nous qui sommes accusés, et même pas nous, et d'autres aussi qui le suivent de partout. Chacun a appris quelque chose dedans. Donc, les prières, c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement. Je prie Dieu de protéger la Guinée, de protéger notre pays, de faire en sorte que les Guinéens puissent marcher ensemble, main dans la main, dans la paix et une Guinée réconciliée. Je vous remercie, Monsieur le Président.